że Państwu będę należał pochwała. Merci pour les flèches qu'on m'a envoyées dans le champ de mission. Et je les ai bien utilisées pour terrasser le jardin. Vraiment que tu puisses vous récompenser. So may the Lord be your reward. Pour toutes les prières que vous m'avez envoyées. Ça m'a rendu très fort. It makes me feel strong. Et je suis bien content. Bye, merci. Amen. Et par envoi, je transmets les salutations de mon épouse. Amen. Elle vous salue aussi. She is also greeting you. Et nous vous aimons. Nous utilisons encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons.
Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, je vais prendre 1 Pierre chapitre 5. So as you are seated, we may read in 1 Peter chapter 5. La Bible dit à partir du premier verset jusqu'au verset 5. The Bible says from the first to the fifth verse. 1 Pierre chapitre 5, premier verset au cinquième verset. 1 Peter chapter 5 from the first verse to the fifth verse. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. To the elders among you, I appeal as a fellow elder. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. A witness of Christ's suffering and one who also will share in the glory to be revealed. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un bien solide, mais avec dévouement. Be shepherd of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Young men, in the same way, be the submissive to those who are older. All of you, clothe yourself with humility towards one another, because car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. May the Lord bless His word and also bless you. Ce soir, so tonight, je voudrais vous apporter un message inhabituel. I want to bring you an unusual message. Je crois que depuis que j'ai commencé mon ministère, c'est la première fois que je prêche ce message. I believe since I started my ministry, it is the first time I'm going to preach the message. Et Frère Madame a prêché cela à son église et à l'épouse en général. Brother Burnham preached this message and to the bride. Ce message est intitulé l'orgueil. This message is entitled Proudness. Je crois que c'est rare d'entendre un message sur l'orgueil. I believe it's not easy to have such a message on proudness. Et ce message concerne l'église du Père Emmanuel en particulier et l'épouse du monde en général. This message is for the full gospel church, especially and for the entire bride. Cela m'est arrivé par inspiration à plusieurs reprises. J'en ai négligé, mais je pense qu'il est l'heure que je donne la porte. It comes to me through inspiration, and I couldn't speak of it, but I believe this is the time. Amen. Et j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur différents dictionnaires. Took a look on several dictionaries. J'ai consulté l'encyclopédie biblique. I checked the Bible called encyclopedia. J'ai consulté le prophète, la bouche autorisée. I checked on the prophet, the authorized mouth. Et j'ai consulté le dictionnaire ordinaire. And I went into the ordinary dictionary. Ils me disent ceci. And they said que l'orgueil est un sentiment qui vous fait croire que vous êtes au-dessus des autres. Proudness is a feeling which makes you to believe that you are above others. Et je vois que les gens commencent déjà à avoir peur. And see people are being afraid. Mais ceci est pour vous. But this is for you. C'est un sentiment qui vient de l'homme
et qui te fait croire que tu es au-dessus des autres. It's a feeling coming from inside of man and makes you to believe that you are above others. Ou soit, ça s'appelle complexe. Or it's a way of looking yourself down. Qui vous fait penser que tu es plus important que tout le monde. That makes you to believe you are more important than everybody. Dites amen. And you say amen. Et je pense que cet enseignement risque d'avaler les amen. And I believe this teaching must swallow your amen. Amen. Ça c'est le premier dictionnaire. This is the first dictionary. Et deuxième, il dit l'orgueil c'est l'excès de confiance personnelle. And the second one says proudness is self-confidence, much of self-confidence. Et qui te fait croire que tu es au-dessus des autres. That makes you to believe you are beyond others. Tu as tellement confiance en toi-même. You are so self-confident. Et tu penses qu'à ton cas, je suis au-dessus de tout le monde. And you're thinking that you are above everybody. C'est l'orgueil. This is problems. Et je voudrais vous dire ici que cet orgueil dont nous parlons, c'est un démon. And I want to tell you this pride is a demon. Et Frère Branham dit c'est un démon terrible. And Brother Branham says it's an horrible demon. Amen. Amen. Et cet orgueil dont nous parlons, and this pride that we're talking about, produit dans la société humaine, là où nous habitons, produced among the human beings in the society, l'insoumission, and submission, la désobéissance, disobedience, et la rébellion, and rebellion. Amen. Donc si quelqu'un est orgueilleux, somebody is so proud, l'orgueil va l'amener, qu'il le soit d'abord pas. Pride will bring him to à l'insoumission, to unsubmission, à la désobéissance, to disobedience, et à la rébellion, and to become a rebel, a rebellion. C'est ça le résultat de l'orgueil. This is the result of proudness. Étudions d'abord le prophète. So let's study what the prophet said. Frère Branham dit que la décomposition chimique d'un être humain, je ne dis pas la composition, mais la décomposition. Donc quand on prend un être humain, on le décompose. So chimiquement. But the Branham says when we split a human being, chemically speaking, votre valeur vaut une cuillerée de sable. Your value is just like a pinch of sand. Et le prophète dit que cette cuillerée de sable vaut la valeur d'un homme de 150 kilos. And Brother Burnham says this value is like 150 kilogram main weight. Si on le décompose avec ses 150 kilos, il arrivera à être avoir au moins une cuillerée de sable. If you take a main of 150 kg and split it off, it becomes less than a spoon of sand. C'est pour vous dire que nous sommes rien. It's to tell you we are nothing. C'est pour vous dire que nous ne valons rien. This means we have no value. Je vais entendre un amen. And you say amen. Le prophète Branham continue. And Brother Branham keeps going. Dit la chair humaine. He says human flesh est comparable à la chair d'un animal. Is comparable to the flesh of an animal. Dit ce qui fait la valeur de l'homme. What makes the value of a man? C'est l'âme. It's his soul. Le problème est que si nous enlevons l'âme de l'homme, and Brother Burnham says, if you remove main soul, il est exactement comme un singe. He's exactly like a monkey. Il est exactement comme une bête. He's like a beast. Donc ce qui fait de vous, qui fait de moi ce que nous sommes, so what makes of you or I what? La chose qui nous donne un peu de valeur, things which give us value, c'est l'âme. It's soul. Et Branham parle plus loin, dit qu'il y a des choses qui ont l'âme, mais qui ne servent pas Dieu. And Brother Branham says some people having soul and not serving God are like beast animals. Ils disent être au moins un négligent, un ignorant, quand venant sur la terre, vous quittez la terre en mourant sans connaître votre Créateur. You are so-called people and you leave the earth without knowing who your Creator is. Parce que chaque chose qui est sur la terre a un propriétaire. Because everything coming on the earth has an owner. Et vous ne pouvez pas exister, vous ne pouvez pas
Creator. Mourir, quitter la terre, sans connaître ton Dieu, sans connaître la volonté du Seigneur, c'est être comme un animal. Dying and leaving the earth without knowing your God is like an animal. That's why Brother Branham says, lorsque nous enlevons l'esprit de Dieu dans une personne, cette personne aura des instincts bestiaux. When we remove the spirit of God in a man, he will act like a beast. Il est capable d'arracher un bébé des bras de sa mère et la violer. And he's able to take away a baby from the hand of his mother and to abuse her. Parce qu'il a perdu la tête. Because he's lost his mind. Dites amen. Can you say amen? J'ai vu l'image d'un mariage qui s'est passé à Cape Town en Afrique du Sud. I saw a wedding ceremony in Cape Town, a picture. J'ai vraiment eu mal. And it makes me feel so bad. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu continuerait-il toujours à nous accorder un jour de vie? Moi, j'aurais préféré qu'il détruise la terre et puis nous partons. And I asked myself, why should God grant us a day of life? He should destroy the entire earth. Une femme, a woman, a épousé sa fille. Get married with her own daughter. Il le prend en mariage. She took her to get married with. Et la fille a validé l'union entre elle et sa mère. And the doctor approved the wedding between her and her et mother. Elle devance les arguments. And she then spoke out sur lequel ma mère est tout pour moi. Saying her mother was everything for her. Mon papa est mort, je suis resté avec ma mère depuis ma jeunesse. She said, my father passed away and I live with my mother since et I was je young. Pense and I believe que ma mère peut me mettre à l'aise au lit. That my mother can make me happy in the bed. Je préfère and I better l'épouser getting married with her que l'épouser qu'un homme. Instead of getting married with a man. Voyez là où la race humaine est arrivée. Where human race stepped in. C'est la fin. It's the end. Si vous pensez qu'il y a encore du temps, vous vous trompez. If you believe there's still remaining some time, it's a mistake. But the Brother say will be surprised. Je vous en parlerai. I will let you know. Le prophète dit. The prophet said. Même l'enlèvement que nous attendons. Even the rapture we're waiting for. Nous serons surpris. We will be surprised. L'enlèvement a déjà eu lieu. That the rapture is gone. Et nous sommes surpris. And we are still there. Quand nous viendrons, mais pourquoi, Seigneur? When we'll come and say, why so? Il est dit qu'il y avait un problème tellement qui devait se passer. We said this promises will happen first. And but the Brother says God will say it already happened. C'est pourquoi la Bible dit. Bible says que cet enlèvement dont nous parlons, that this rupture we're talking about, est un départ soudain et secret. It's a sudden rupture. Et faut pas encore chaque jour sur la terre. Says every day on the earth, il y a au moins 500 personnes qui disparaissent. There are like 500 people disappearing over there. Ce n'est pas quelque chose qui va frapper l'air. It's not somebody that will. Ce n'est pas quelque chose qui va apparaître dans les journaux passés par là. On dira tel jour, le peuple va published on the newspaper saying this day people were gone. Dit votre enlèvement dépend de la relation que vous avez avec Dieu. He says your rapture is depending on what relationship you have with your God. Et le prophète dit ce n'est pas les ancienne expérience que tu as eue avec Dieu. The prophet says it's not the past experience you have with God. Mais les expériences que tu as tout le jour avec Dieu. But daily experiences you have with God. Amen. Amen. Et Bible ne vous accrochez pas aux vieilles expériences passées. And it says don't hold yourself to the past experiences. Ce qui est passé est passé. What is gone is gone. Considérez vos expériences personnelles à partir de ce soir avec Dieu. Personal experience from tonight with God. Et tu sauras si tu en as ou pas. And you will see where you are. Amen. 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 Le prophète Branham dit. And the prophet Branham says. Il n'est pas important de commencer à dire par-ci par-là. Je suis membre de telle église. Je suis membre du message. Frère Branham dit ça ne vous amènera nulle part. He says it's not important saying I'm a member of such and such church, member of the message. Vous devez vous réjouir si vous êtes membre du corps de Christ. He says you must rejoice if you are a member. Avec une véritable expérience déterminée du baptême du Saint-Esprit dans le cœur. With a truly experience of the baptism of Holy Ghost in your heart. C'est ce que le prophète nous dit.
This is what the prophet asks you to be. Quand nous venons dans un rassemblement comme ça, dans une église comme ça. He says when we come to such a gathering in such a church. Le prophète dit la responsabilité est au pasteur. And the prophet says the responsibility of the pastor. De vous enlever dans une église locale. Is to take you from the local church. Et de vous introduire dans le corps mystique. And to step you in the mystical body of Christ. Là où tous les membres sont identique. Where all the members are equal. Formalement, si vous allez aux États-Unis, vous allez donc en France, vous allez partout dans le monde, tous ceux qui sont membres de l'école de Christ sont identiques. And but the problem is, if you go to France, United States, everybody member of the body of Christ. Il n'y a pas de gens qui sont supérieurs aux autres, ils sont égaux parce qu'ils ont le même Saint-Esprit. Because they have the same Holy Ghost. Dites amen. Say amen. Que ce message ce soir. May this message of tonight. Nous amène à raisonner. Ask us to think of sur nos voies. Upon our ways. Y a pas d'amen? And you say amen? Je vais revenir. Frère Branham dit que dans votre cœur, il y a des portes. I'm going to come back. Brother Branham says in your heart, there are doors. Parle de la porte de la vie privée. There are private door. Parle de la porte de l'orgueil. He spoke about proneness door. Il dit, Dieu ne peut pas vous utiliser aussi longtemps que dans votre cœur, Christ n'a pas pris place partout. And he said God cannot use you if Christ is not everywhere, stepping everywhere. Dieu ne peut pas vous utiliser. God cannot use you. Aussi longtemps que Christ notre Seigneur, as long as Christ our Lord, n'a pas encore eu de place dans ton cœur. Did not step in entirely in your heart. Et le problème est que il ne peut pas accepter de prendre une partie de votre cœur et vous laisser les autres dans l'ennemi. Dit non. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. The prophet says he couldn't share a portion of your heart because he can't share his glory with someone. Jésus a besoin de prendre le contrôle de tout votre cœur. Jesus needed the entire of your heart. Tes pensées. Your fault. Tes désirs. Your desires. Ta vie. Your life. Ta réaction. Ta réaction. Your reactions. Your behaviors. Tes comportements. Your behaviors. Toute la parole qui sort de ta bouche. The way you speak, Christ veut devenir toi. Christ wants to become you, pour que toi tu deviennes lui. So as you become him, cette relation, this relationship entre Dieu between God et l'homme and man, ça doit exister. It must be. It is la même relation que Jésus avec le Père. It says it's the same relationship Jesus had. Elle doit exister maintenant entre le croyant et Dieu. It must be between the believer and God. Vous me suivez? Do you follow me? Je peux entendre votre main. Can you say amen? Dans la brochure, l'orgueil, prêché en 1955. In the booklet, A Proudness, preached in 19. Paragraphe 17. Frère Branham. 16, what the program says. Et mon sujet sera l'orgueil. And my subject, my title will be Proudness. Oh! Oh! L'orgueil? Proudness. Est une chose si maudite. It's something cursed. Si horrible. So horrible. L'orgueil. Proudness. Est une très mauvaise chose. It's such a bad thing. Maudite. Cursed. Horrible. Horrible. Mauvaise chose. It is a bad thing. L'orgueil. Proudness. Quand on va commencer à rentrer, when we gonna step in, ça vous fera du bien. It's gonna make you good. Donc ma mission ce soir, so my mission tonight, c'est de tuer cette chose qui est en vous par la parole de Dieu. Is to kill this thing in you by the word of God. On peut chasser tous les démons. We can chase away any demon. Mais cette démon de l'orgueil. Proudness demon. Le démon qui ramène l'homme à revenir à ce qu'il était. Is the one that bringing man to what he was. Et nous devons le tuer. He must be killed. Et je vais vous dire ce soir. And I want to tell you tonight. On peut trouver ce démon dans chaque frère qui est ici. We can find it in every of the brothers here. Et dans chaque frère. Every sisters. Même envers nous les serviteurs de Dieu. Even with us the servants of the Lord. Personne n'est épargné. Nobody escaped. Vous allez entendre la prière de Frère Branham. You will hear the prayer of Je vous donne à toi, Seigneur. I'm giving myself to you. Enlève-moi l'orgueil. Take away a proudness. Ne permets pas que les choses si mauvaises comme ça puissent grandir en moi. Don't allow such a worse thing to Je veux mourir à mon orgueil. To
die to my proudness. Amen. Amen. Prenons la Bible. Let's take the Bible. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5. In 1 Peter chapter 5 verse 5. La Bible dit. The Bible says. De même vous qui êtes jeunes. Young men, in the same way. Soyez soumis aux anciens. Be submissive to those who are older. Les anciens ici. The elders here. Pierre parle à l'église. Peter is talking to church. Soyez soumis aux anciens. Be submissive to the elders. Les diacres. The deacons. Les officiers. The trustees. Et le pasteur. And the pastor. Ce sont les anciens de l'église. They are the elders in church. La Bible dit que vous qui êtes jeunes. The Bible says you who are elder, the younger. Soyez soumis aux anciens. Be submissive to the older. Et tous d'abord rapport mutuel. All of you clothe yourself with revêté. Tous. En ce moment, on insère aussi les anciens. So, we include the elders to clothe. Et tous dans vos rapports mutuels. So, all of you revêtez-vous de l'humilité. Clothe yourself with humility. C'est ce que je vais prêcher vendredi. Towards one another. So I'm going to preach. Aujourd'hui, je prêche l'orgueil. Friday. Today I'm preaching on pride. Vendredi, je prêche l'humilité. And on Friday I'm preaching on humbleness. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Because God opposes the proud. Mais il fait grâce aux humbles. But gives grace to the humble. Lorsque la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, the Bible says God opposes. Savais-tu que Dieu ne répond pas aux requêtes de ceux qui sont orgueilleux? It means God does not respond to the proudness people's requests. Dieu ne donne pas la solution aux problèmes de ceux qui sont orgueilleux. God does not provide any solution to the proudness people. If you want God to answer, si vous voulez que Dieu réponde à votre requête, if you want God to respond to your request, Dieu l'obéit. You must cure your problems. Amen. 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 Quel message, frère Jean? What a message. Frère Jean, quel message? What a message. Problems. No. Proverbs says. Let's read in the book of Proverbs. Proverbs chapitre 16. Proverbs 16. Nous allons lire à partir du verset 18. We're going to read from verse 18. Proverbs 16, 18. Proverbs 16. Vous êtes? Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens qu'il y a une résistance, une peur. Few people are being scared. On peut? La Bible dit l'arrogance précède la ruine. So the Bible says pride goes before destruction. Et l'orgueil précède la chute. And pride goes before destruction. About this three people. Better to be lowly in spirit. Que de partager le butin avec les orgueilleux. And among the oppressed than to share plunder with the proud. L'orgueil précède la chute. So proudness or pride goes before destruction. C'est ce que la Bible dit. This is what the Bible says. L'arrogance précède la ruine. And arrogance goes before the fall. Mais l'orgueil. But pride, pride précède la chute. Goes before destruction. Vous allez voir des exemples qui sont vraiment qui sont bons pour nous. You will see a typical example which we can use. Maintenant, nous commençons à toucher quelque chose. So now we want to touch something. Lorsque vous voyez une femme mariée, when you see a married woman. Devenir orgueilleuse. Becoming proud. Vis-à-vis de son mari. Proud before her husband. Au point qu'elle sort sans demander la permission. So as she may go out without asking for permission. Au point qu'elle se sente suffisante en soi. And feeling so confident in herself. Elle a déjà notre copain. She has another boyfriend already. Y a pas d'amen. Can you say amen? Lorsque vous remarquez une sœur qui est mariée, when you
notice a married sister. Commence à se comporter comme elle comprend vis-à-vis de son mari. Starting to behave as she will before her husband. Il n'y a plus la considération. There's no much respect. Il n'y a plus de respect. There's no consideration. Elle sort quand elle veut. She goes out when she wants. Elle revient quand elle veut. She's back when she wants. Elle ne rend compte à personne. She does not give any report to anybody. Celle-là a un copain. That sister has a boyfriend. Maman, si vous dites maman, il y a d'autres prédications qu'on ne dit pas. Even if you don't say amen, there are others that we don't say. Lorsque cette femme arrive au point de ne rien demander à son mari, she step in a stage where she cannot ask anything to her. And she feels self-confident in herself. Même si le mari n'a rien. Even if the husband got nothing. Le peu d'argent que le mari peut donner à une femme. The little money that the husband can give to her. Même si elle travaille. Even if she's working. Ça vaut beaucoup pour cette femme. It's valuable for her. Ce n'est pas le fait que la femme travaille qui ne fait rien. Not the fact of not working on the side. And then she had to spend. If you've got something, you must give to your wife. Ça lui fera du bien. It will make herself feel good. Mais lorsqu'une femme, but when a woman arrive au point de plus occuper de l'argent de son mari, step in a position where she does not take care of her husband's money, ça dit rien. It doesn't mean anything. Que le mari donne pas, that he keeps or not ça dit rien. She does not care. Cette femme-là est copain. It means she has a boyfriend. Et je vous dis aujourd'hui, elle est remplie de l'orgueil. I tell you, she is filled with pride, with promise. Dites amen si vous croyez cela. And you say amen if you believe. Et lorsque vous voyez une brebis, and when you see a sheep, commencez à se rebeller, starting to rebuild vis-à-vis de son pasteur, toward its pastor, vis-à-vis de la parole, towards the word. Frère Branham dit, and Brother Branham says, elle a mangé une mauvaise herbe. She ate a wrong food. Deuxièmement, le prophète dit. The prophet said, behind that sheep, il y a un bouc. There is a how they call it? Qui la tête. Yeah, there is another. Parce que it's leading her de nature. Because from une brebis a toujours été conduite. A sheep is all the time. Et lorsqu'une brebis n'a plus été conduite, and when the sheep is not, le prophète dit, il n'a pas mangé une herbe. If she does not eat a wrong food, observez derrière la tombe. You must see behind the flock. Il y a un bouc. There is a goat behind. Qui l'entraîne à être rebelle. Which is leading her to become rebels. Cette bouc peut être une femme tout comme un homme. And it could be a man or a woman. Parce que pour les chèvres, les femelles aussi des cornes. Because there are goats with horns like female goats. Pas la belle. And you say amen. Troisièmement. And third. Elle est prête, la baby. She's ready, the sheep, d'être bouffée par les loups, to be killed by a wolf. La rébellion est un signe d'orgueil. So rebellion is a sign of pride. Écoutez le prophète. So listen to what the prophet said. J'ai lu quelque chose ici cet après-midi. I read something this afternoon. Et j'ai préféré partager ça avec vous. And I wanted to share this with you. Ça vous va? Is it okay for you? Frère Branham dit, paragraphe 31 de la Bible, vous devez naître de nouveau. But the Branham says in the 31 paragraph, you must be born again. Personne ici ne veut aller dans les lieux de tourment. Nobody here want to go into the hiding place. Personne. No one. Parmi nous ne veut aller en enfer. Among us want to go to hell. Et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres de route vers Gassé. Not a riding over an icy road. Dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour vivre, juste pour venir ici à l'église. Spending your money which is used for you to leave to come to church. Et bien disons serrer la main aux gens. And come and shake hands to other people. Bien que vous aimez le faire. For sure, this is good for you to do it. Bienvenue en tant que pasteur. Welcome and listen to the pastor. Moi et les autres ministres parlent de la parole. Me and other ministers speaking. Vous en avez partout où vous êtes des pasteurs. You've got them everywhere where pastors are. Des ministres comme nous, des serviteurs de Christ. Ministers like us, servants of Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. But there is something which pulls you here. Et cette chose-là, ce n'est pas venu
saluer le frère, saluer, embrasser le frère et repartir à la maison. Non, il y a quelque chose de surnaturel qui vous attire ici. Which brings you here. Vous n'allez pas gaspiller votre argent. You won't spend out your money. Et faites inventer le sac que vous avez dépensé pendant une année. And let's make the inventory of what you spent during the year. Et vous verrez combien vous avez dépensé. C'est tout un budget. How much was your expenses? It's a budget. Seulement pour venir jouer à l'église. Just coming and play around the church. Seulement pour venir fraterniser avec des frères. Only come and you know have a brotherhood with. Et vous repartez sans recevoir quelque chose de Dieu. And you go back without receiving something from God. Why not? No. But the Brother says no. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. There is something which pulls you here. À cet endroit particulier. This peculiar place. C'est pourquoi il est de notre devoir. It's on our duty en tant que pasteur, as pastors, de veiller to watch à ce que ce troupeau soit nourri, alors bien nourri. That this flock must be fed and well. This is concerning nos amis prédicateurs. This is regarding our faith. It's your duty en tant que prédicateur, as a preacher, de veiller à ce que ce brebis to watch so as the sheep. Je dépense autant d'argent pour venir ici. Your money to come here. Soit nourri de la bonne manière. Il doit être properly, as Brother Branham says. Il doit être nourri de la bonne manière. They must be fed on the proper way. Dites amen. Say amen. En effet, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, nous redemandera votre sang. In fact, the Mighty God will call. C'est comme pour cette église ici. So it makes for this church. Dieu me demandera vos comptes. God will ask me on your account. Pourquoi? Parce que Dieu vous a remis entre mes mains pour que je vous nourrisse et je vous conduise de la bonne manière. Because God put you in my hand for me to feed you and to lead you in the proper way. Et je dois veiller à ce que vous soyez bien nourris. And I must watch over so what you are doing. Que je sois ici ou que je ne sois pas ici, j'ai l'œil pour veiller à ce que vous soyez bien nourris. Watch over your food. And if you are not properly fed up, c'est votre devoir de réclamer. It is your duty to request on it. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Can you say amen? Frère Branham continue. Brother Branham keeps going. Dit, en effet, le Dieu Tout-Puissant, he says, the Mighty God, nous redemandera votre sang, will request for your blood au jour du jugement, in the days of judgment. Nous serons à répondre pour vous. We'll have to respond on your behalf. Amen. Amen. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, as regards to this heavy duty that was given unto us, et vu que Dieu nous a donné les gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, that God grant us the people that love us and that came to listen to us. Nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. So we have to dedicate our time to watch over your souls. Et dès que la toute petite chose s'élève, as much as the little thing arises, il est de notre devoir, it's on our duty, d'aller vers cette personne, to go towards these people. Car nous, en tant que berger, because us as a shepherd, nous veillons sur cette brebis. We watch over this sheep. Quelque chose, as long as something d'anormal, something anormal, vient dans votre vie, comes by your way, c'est notre devoir. It's our duty. C'est mon devoir. It's my duty de venir vers vous, to come towards you, et de vous parler, and to speak unto you, de vous reprocher, to report you. Pas d'amen. Si en vous il y a l'esprit de Dieu, if in you there is the spirit of God, vous laisserez passer la parole de Dieu en premier. Leave the word of God go first. Je vais faire quelqu'un dire amen à ça. Vous savez, frère, you know, brother, l'homme ne se connaît pas. We don't know each other. Mais j'entends les amis. Vous ne me connaissez pas. You don't know me. Et je ne vous connais pas. And I don't know you. La chose qui nous a émis ici, the things which gather us, c'est la parole, is only the word. Donc c'est la parole de Dieu. So it is the word of God. Qui a permis, qui est devenu un canal, un courant de transmission de la connaissance, c'est notre métier. Which is a link between you and us. Si if we remove the word, what should remain? C'est la parole de Dieu qui a fait notre travail.
God makes you to be. C'est la parole qui a fait que vous soyez des saints. C'est la parole qui a fait que vous soyez des frères. C'est la parole qui a fait que vous m'appelez pasteur. C'est la parole qui a fait que je vous appelle mes brebis. Si on enlève la parole de Dieu, qu'est-ce qui va vous aider? What should remain? What would make us unite? C'est pourquoi c'est un homme qui dit. That's why Brother Branham says. On doit protéger ou conserver la chose qui nous unit. Watch over the thing that unites us. La parole. The word. Oh, que Dieu m'aide. May God help me. On doit la préserver. We should watch over the word. Et je ne peux pas marcher sur la parole de Dieu par orgueil. I can't walk over the word of God. Et je ne peux pas la disloquer par orgueil. And I can't break the word of God. Je dois veiller sur la parole. Watch over et the vous word. Devez appliquer la parole. And you must live the word. Practice the word. Qu'il me soit permis ce soir de vous dire. Let, allow me to tell you. Que Jésus. That Jesus. Vient enlever la parole. Is coming to wrap the word. Et si cette parole. And if that word. N'a pas formé en toi un autre toi. Has not made in you another you. Vous ne serez pas enlevé. You won't be taken in the wrap. Parce que frère Branham me dit. Because Brother Branham ce said. Corps est né dans le péché. Ce corps a grandi dans le péché. Et ce corps n'ira pas au ciel. Parce qu'il est poussière. Il ne retournera à la poussière. Pour Jésus a décidé. Jesus is a travailler. To work. De créer en vous. To create in you. Un autre corps. Another you. C'est lui-là que tu as contourné. You're the one which you take, you go around. Pour naître dans le péché. To get born in sin. Par la parole. By the word. Par la nouvelle naissance. By the new birth. Jésus est en train de remettre cet homme du commencement. Oh, Jesus my. Is restoring the man of the beginning. Oh, vous même aujourd'hui. You even today. Chers amis. C'est mon âme a dit. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. In the beginning, God created man. Et c'est dans sa ressemblance. It is this kind of man which God is creating right now. Amen. And the prophet said, the couvent and all the salles denominationnelles ne peuvent pas produire le tel homme. And Brother Branham says, all the denominational churches are not able to produce it. Le prophète continue, voilà la personne. Qui fera ce que Jésus-Christ a fait. And Brother Branham says, this is the fellow which will perform what is said. Et cette personne spirituelle, and the spiritual being, ne peut être formé en vous que par la parole de Dieu. And only be shaped in you by the will of God. Cette parole que vous mangez, cette parole que vous écoutez, cette parole que vous dites amen, est un grand feu. It is a great fire. Et c'est lui-même l'éternel. C'est pourquoi. That's why. Ici, here, nous avons besoin de la parole. We need the word. Frères and brothers, j'ai besoin de la parole. I need the word. Même les gens qui prêchent quand je suis pas là. When the people preach when je veux que ce peuple mange la parole de Dieu. Want to speak or to eat the word of God. Ne prêchez pas les choses qui vont les faire perdre. Preach things that will make. Prêchez les choses qui vont encourager. Preach them things to Je viens recevoir la parole de Dieu. Coming to receive
parle, laissez-moi prêcher. Je m'en fous de la fatigue. Become one. At a certain time, it should unite. You
thinking. So as you want, take notice of it. De l'ombre de la réalité. From shadow and reality, what it is. Et dit, ce qui se passe avec nous. And what the problem is, this is what when we on est en train d'avancer. On est en train d'avancer. We step in and step forward. We step forward. Est-ce que je peux dire? Can you say? Madame, dit, vous devenez vous-même la divinité. And what the problem is, you become the divinity. Dieu. That's why the Bible says man is God. Vous êtes Jésus Christ. You are Jesus Christ. Eve was the feminine of Adam. Comment vous ne croyez pas ça? Et l'épouse and the bride est Christ. Is Christ au féminin. Both. They gave her into the mystery of marriage, of wedding. We also unite with God. In the mystery of unification, which Brother Branham calls invisible union. Christ comes and dwells in us. He becomes us. And we become him. We are so united in, in intercessory. So when we see the manifestation of the work of Christ, people say, are you not God? That's why it creates a unification. Vous ne pouvez pas être chrétien. You can't become a Christian en marchant avec la paix. Walking with, fear. Vous devez être au-dessus de la paix. You must be beyond fear. Je veux votre main. Vous devez être au-dessus des magiciens. Vous devez être au-dessus des sorciers. Ils ne peuvent rien vous faire. Do you know all? Je vais ouvrir l'écriture. I want to read the scripture. Ce Branham dit. Where Brother Branham says. Il y avait un le surnaturel. There was the supernatural. Dans Daniel. In Daniel. Quand Daniel se retrouve en face des lions, when Daniel stepped in before the lions, les lions pensaient que Daniel était comme tout autre homme. The lions thought Daniel was a simple man. Frère Branham dit que Dieu qui était dans Daniel, Brother Branham says God dwelling in Daniel, est sorti de Daniel, out of Daniel, et a environné Daniel, is surrounded Daniel, et lorsque les lions regardaient, when the lion looked at him, ça c'est notre créateur. Cette chose là, c'est ce qui vous arrive. What happened to you? En face des gens de mauvais cœur. Before the people having a worse heart, even heart. Même quand vous dormez la nuit, even when you sleep at night, il y a un toi qui veille sur toi. There is another you watching over you. Lorsqu'on veut vous attaquer, when they want to fight, on va n'importe un toi. They're gonna find another you. Et lui, là, c'est une partie de Dieu. This one is another portion of God. Je veux lui donner la parole. It means it's the word. Je veux lui donner l'image de Dieu. It's the image of the invisible God. Amen. Comment pouvez-vous vaincre dans cette tâche? How can you overcome in this age? Si en vous, il n'y a pas quelque chose. If in you, there's no one. Dites amen. Est-ce que vous savez combien de fois vous avez été attaqué? Do you know how many times people fight against you? Si je peux ouvrir vos yeux, if God can open your eyes, et vous voyez le combat que vous menez tous les jours, and you will see the fight, the struggle that you are having, ça c'est terrible. It's going to be terrible. Par la grâce de Dieu, by God's grace, il ne nous ouvre pas les yeux. He does not open your eyes. Mais il demande que nous vivons par la foi. He asks us to live by faith. Lorsque la foi quitte un croyant, vous n'êtes plus croyant. When faith leaves a believer, you are not a believer. Ce qui est visible, la foi regarde aux choses invisibles. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. I'm going to tell you something that will shock you. Oubliez vos difficultés. For God, oubliez vos tentations. Oubliez vos blocages. Oubliez vos erreurs. Soyez au-dessus de ces choses. Marchez par la foi.
Une sœur m'a posé la question. A sister asked me a question. Dit pasteur. She said, pastor. Est-ce que toi aussi tu passes par des épreuves? Are you also having trials? Est-ce que vous avez des épreuves? Do you have trials, pastor? Est-ce que toi aussi tu as des problèmes? Do you also have troubles in your life? Je dis si je vous donne mes problèmes. And I said, if I share my troubles to you, on va t'enterrer le même jour. You will be buried the same day. Regardez d'abord vous-même. And you see how many of you people you are. Je suis représenté dans chacun de vos problèmes. And I'm representing every of your troubles. Il y a des fois vous êtes dormi bien un peu. Sometimes you're living in peace and you know dreaming. Mais quelque part il y a quelqu'un qui prie pour toi. But somebody is praying for you somewhere. Les victoires que vous avez, j'ai une part. Je veux entendre un alléluia. Je contribue. I contribute myself. Même à 90%, even 90% de votre succès, votre success. Amen. Amen. C'est bon, on m'a dit. And Brother Burnham says, nous devons veiller sur. We should watch over your soul. Pourquoi? Why? Parce que Dieu vous a donné aux mains des hommes de Dieu. Because God put you in the hands of men of God. Pour vous conduire. For them to lead you. Le frère Branham dit. And Brother Branham says. Dans l'Ouest, on connaît une mauvaise herbe. In the West, we know, a worst. Qui peuvent manger les animaux. Which animals can eat? Et ça s'appelle le coët. And it's called a coët. Il dit c'est une plante de la famille des chanvres. It's a grass of the family. Je ne sais pas si vous ou non quelqu'un a déjà entendu parler de le coët. Of some truck plant. I don't know if you have heard. Oui, un cheval peut manger cela. So a horse can eat that. Et vous ne pourrez tout simplement plus rien obtenir de lui. And you won't obtain anything else from him. Il devient vraiment sauvage. So nasty. Vous ne pouvez pas lui mettre une selle. And you can't even. Vous ne pouvez rien obtenir de lui. A hold him and you. Ça s'appelle le coët. It's called the coët. Vous devez garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. And you must keep your flock away from that grass. Car si cela amène un cheval à manger quelque chose, ou plutôt un cheval mange quelque chose et qu'il rend dans un tel état. If he can bring a horse to be in such a state of the eating this grass, which makes him to become like a cowboy, you will become such a lousy cowboy letting your flocks eat in the grass. It will prove your neglect. A real pastor. Un véritable serviteur de Christ. A real servant of Christ. Serait un mauvais représentant de Christ. Would be a worse representative of Christ. Quand il regardait une brebis manger quelque chose qui l'éloignerait ou ferait qu'il devienne sauvage devant Dieu. Letting a sheep eating such a kind of grass that makes him to become. Ou un transgresseur de sa parole. Become God or become a transgressor of his word. Ou un transgresseur de ses commandements. Of his transgressor of his commandments. Ne pas faire cela. You won't do it. Vous devez y veiller très attentivement. You must watch over it very carefully. Regardez mes amis. Look, my friend. Le poids de la responsabilité. The heaviness of duty. Pour le peuple de Christ. For the people. Donc vous êtes là assis. So you are just seated. Mais il y a quelqu'un qui a la responsabilité. But somebody is having the duty. De veiller à ce que vous ne vous perdez pas. To watch and take care of you not to get lost. Frère, c'est une lourde responsabilité. And brothers, this is a heavy duty. D'accord, amen. Can you say amen? Et frère Branham nous dit. And Brother Branham says. On doit veiller à ce que les brebis ne mangent pas ça. We must watch so as the sheep not to eat this grass. Et si vous m'attendez la brebis, devient orgueilleuse. If you notice, the sheep become proud. C'est qu'il a mangé cette herbe. It means he ate that grass. Et ça rend orgueilleux. And it makes him become proud. Ça rend têtu. It makes him to become, you know, a lousy. Écoutez ceci. Listen. Je voudrais, lorsqu'on voit une brebis commencer à se révéler vis-à-vis de son pasteur, le son de la parole de Dieu, cette brebis a mangé une herbe amère, le coët. I told you when you see a sheep not filling up his pastor's
commandment, it becomes soit il y a un bouc, un bouc derrière qui l'enseigne. Or there is a goat behind teaching over him. Le seul conducteur, the a leader que Dieu vous a donné. The only leader that God gives you, c'est votre pasteur. It's your pastor. Et frère, madame, si votre pasteur vous a conduit au baptême du Saint-Esprit jusqu'à présent, if your pastor leads you to the baptism of Holy Ghost until il now, est capable de vous conduire au ciel. He is also able to lead you to heaven. C'est la vérité. That's the truth. Il est capable. He's able. Et le prophète Branham dit, and the prophet Branham said, lorsque Dieu se manifeste au milieu de vous, when God will be manifested among you, vous devez avoir confiance à celui qui vous conduit. You must be confident unto your leader. À l'apostolie, over there in Portugal, une sœur venait à l'église chez nous. A sister, she went to that church. Elle est vraiment ancienne, très ancienne de cette église. And she's an elder of that church. Quand je suis arrivé, and when I went there, je viens de prêcher, j'étais vraiment fatigué. I was very tired after preaching. Sa sœur est morte, elle est rentrée dans un coma, ça fait 3 jours. Her elder sister went into a comatose condition for 3 days. Le taux du cycle, c'est 9,593. And she got a low blood pressure. Le taux de la BC. The low blood pressure. J'ai le sœur qui travaille au hôpital ici. Le taux, je crois, c'est 6,1. And the real rank is 6,1. Donc cette dame-là a le taux de 593. And she was lower than the authorized. Elle a fait dans le coma 3 jours, plein partout dans le corps. And she was filled with, sprinkles all through the body. Son frère m'a appelé au téléphone. And her brother called me over the phone. Tu l'as dit. Dieu l'a. God. Je dis à ce monsieur, prends ton téléphone, tu branches tes mains à l'oreille de ta sœur. And I says, take the phone and put it on your sister's ear. Il a pris le téléphone, il a branché à l'oreille. To put the phone over the disease. See, can I say it's you, demon, qui a mis cette dame au coma, that put that lady into the je vous chasse de son corps maintenant. I cast you out from her body. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Toi, démon, qui a fait monter son sucre. You, demon, that made her blood pressure. I'm praying now. Que son sucre redevient normal. That her blood pressure may. Et toi, le démon, qui a formé des plaies partout dans son corps. You, demon, that makes sprinkle of her. Je demande body. And I'm requesting for any sprinkles. Lorsque j'ai pu en manger ce soir, when I say amen, it was night. Elle n'a plus mangé, ça fait 3 jours. She was not eating for 3 days. Le matin, and in the next day morning, c'est elle qui s'est levée le premier. She woke up in the morning. She was called and comment tu peux aller donner tes témoignages? How can you go and give such a testimony? Comment tu peux aller dans une église aller glorifier Dieu alors que tu pouvais témoigner ici? Hallelujah. Je vais vous certifier. I want to test.
jeune fille. A younger girl. SS. She was SS. She had a disease, you know, a blood disease. Je dis SS. And SS did this. Je pose le main. I lay my hands over her. On l'a mis à l'hôpital. And she went to the hospital. Son sang est devenu AA. Je ne prie pas pourquoi. Et Frère Brice ne prie pas. Allez, sors du bureau. I say,
go out of the office and nobody is going to pray for you. Là, je suis foutu. And he said, I'm dead. Dit, je suis foutu. And he says, I'm dead. Là, je vais mourir. I'm going to die. On a fait l'examen. He went for a medical check. On a remarqué la vitesse de son sang. And then not just the speed of his blood. Get speed like 4 times speed. And they said, finish. It's finished. And he went home. He calls me over the phone. And I said, who is it? I said, I tell you, you don't understand. And he said, Pastor. Est-ce que tu peux m'écouter un peu? Can you please listen to me? Non, le bébé te tue comme ça, moi je ne veux pas ça. And I said, you such a lousy sheep, I don't want you. Je vais décrocher de s'il te plaît, s'il vous plaît, pasteur. And he said, please, pastor. Écoute-moi même pour la dernière fois. Please listen to me even for the last time. And I said, that's sweet. S'il vous plaît, papa. And he said, please. S'il vous plaît. Please, daddy. Prie pour moi, je vous en prie. Please pray for me. Si vous I beg you, otherwise I'm going to die. And I said, I'm not praying for you. Maman était à côté. And you know, the mother was close. And she called me and says, darling. And she said, how can you have such a heart? The child is fine. No, and I said, I disagree. And you must pray for me. And he calls again, calls back again. And I said, you are a lucky person. And I said, put your phone over your head. And I said, Pastor already put the phone. And I said, oh, mighty God. You see how the issue was. And you teach us to forgive. And I forgive this child. And I want you to grant this grace for him to be really healthy. And you see the. On a dit, okay, il dit ceci, domaine de quantification, dont le nombre. So it means the number, the quantity. C'est 10.1 milliard. It is 10.1 billion. C'est comme ça, c'est 1 milliard. De UN point, UN bar ML. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça. Is there something, you know, medical terms? C'est bien écrit, présence d'ADN du virus, l'anti, de l'hépatite B. And it is written, a presence in the DNA of the B hepatitis virus. Et quand je priais pour lui, and when I prayed for him, il est allé faire un examen. He went for a medical checkup. Après un jour, after one day, il est absence de machin de ADN. The virus, the hepatitis, the access of virus B. And the doctor said, what? Je vous ai traité, ça fait 2 jours. I checked you and 2 days ago. Tu reviens faire les examens aujourd'hui, il y a même pas de traces. And you come back 2 days ago and there's no email. Qu'est-ce qui s'est passé? And he said, oh, this is tough. Amen. Je veux que vous enlevez la peur. I want you to remove fear. Ce petit don que le Seigneur nous a donné ici, c'est pour vous. This gift that the Lord gave us is for you. Et je dis que vous devez être les premiers bénéficiaires. And I want you to be the first benefit of it. Voilà comment Dieu fait les choses. And this is what God does. Is the child of brother Le pose de frère Herman.
Brother Emman. Is le frère Emman est là? Is Brother Emman around? D'accord. La sœur a fait les examens. And the sister went for a medical checkup. Il y a, je ne sais pas, des myomes ou quoi, des kystes. And you know, she got things on the wall. Dans les ovaires. In the on a marqué King Gospel. And they show up such a big ball in there. Elle m'a vu ça, elle dit, j'ai posé les mains sur ma sœur. And she saw me on Saturday, I laid my hands over. Elle est allée refaire les examens le lundi ou mardi. And she went for another medical checkup on Monday. Le docteur crie au scandale. And the doctor shout. Il faut pas ces choses que tu te donnes pas sans et j'ai pas besoin de how come these things should leave your body without a surgery? Tout a disparu. All things disappear. Je veux entendre votre amen. Un enfant. A child. Avait 7 ans. Got a disease for 7 years. La maladie de cet enfant. And the disease of that child. Un garçon, on le faisait porter des couches calées. Was having, you know, some baby underwears. Parce que son ventre ne retient pas les selles. Because his belly does not, you know, retain. Ça coule à tout moment sans retenue, and it comes down all times without stopping. Et sa maman est obligée d'aller à l'école à tout moment pour changer les selles. And his mother is then compelled to go to school to, you know, change. Sa maman parlait de ça. And her mother came and spoke to me about it. Je prie pour cet enfant. And pray for that child. Quel Dieu nous a. What the God of God. Ça me donne même envie de pleurer. Je veux dire. It makes me even like feeling to I want to cry. J'essaie de retenir mes amis. But just to retain myself. Après la prière. And after prayers. Ça s'est arrêté. It then stopped. For 7 years. Depuis 7 ans. Since 7 years. En un jour. In a single day. Ou deux jours. 2 days. C'est arrivé. It just stopped. Comment ça ne peut pas être Dieu? Why could it not be God? Une soeur. A sister. Plus de combien de mois, 6 mois qu'on est là. Elle ne voyait plus ses mensonges. She was living like more than 6 months without having her blood issues. And I said, sister, come. Je prie pour elle. I pray for her. Elle va à la maison. She goes back home. Après 2 jours. After 2 days. Tout est revenu. All things back to normal. Et vous savez que les gens appellent ça maintenant aujourd'hui la sorcellerie. And people call it now in Burgundy witchcraft. Les gens disent que Monsieur est un magicien. People says Mosengo is a magician. Les gens pensent à la chose les oui. People says it's a witchcraft. Yes. Un pasteur m'a vu porter le nez d'herbe. And a pastor saw me wearing, you know. J'étais avec maman à côté. The eagle tie. Il vient, je salue bonjour pasteur. And I greet him and I say greet. Avec bonjour. Good morning, pastor. And oh. And he said, wow. Donc pour toi les cravates deviennent ça. And he says then for you this is your hat. Mais quel est ce crayon de plaque? Quelqu'un est dans ton cou là, c'est quoi ça? But what is this, you know, iron or? Oh, 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 monsieur, votre tête devient mystique. And you become so mystical. Oh, pas de sérieux. Je dis pasteur, s'il vous plaît. And I say, pastor, please. Ça c'est un nez américain. And I says this is c'est une cravate pas tie. It's a tie. Je suis mystique par rapport à toi. And so I'm a mystical. How does it sound? Non, pas très dangereux. Il dit, oh, non, you are dangerous. Non, on n'a pas les mains. C'est compliqué. It's so hard. Tout à l'heure, je me suis là, l'un des samedis. Monsieur qui prie dans une autre église, il m'envoie au bureau. And I welcome somebody. Il avait fait l'accident, la colonne vertébrale cassée. He got an accident and you know his back was broken. And I laid my hands over him. Il est allé refaire les examens, m'envoie le message, la colonne.
Jesus. 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 Jesus.
not depending on you, brother. Parce que toi, tu viens de Jésus. Because you're not coming from Israel. Donc ça montre que toi-même, là, tu veux te défendre. It means you must keep your mind. I won't die from. Oh, je vais le tuer. I
got a master my job. Alléluia, celui qui a fait quoi? Orgueil. Providence. On va le virer. You will be fired. Il va perdre le travail. You will lose your job. À cause de l'orgueil. Because of problems. Vous savez que l'orgueil amène dans une personne l'insoumission. And you know, pride brings in somebody insubmission. Donc ça vous fait voir que tu es important. It makes you feel that you are so much important. Ça vous fait comprendre que toi aussi tu as quelque chose à dire. It means you also you have something to say. On ne joue pas avec le travail. We don't play with work, with job. Tu viens en retard comme tu veux. You come and as you want, you alors are late. Alors que le patron est déjà là. And the boss is already there. Et toi tu viens là comme tu veux là-bas. And you come as you want, on your own time. Et le patron est là, assis à la porte. Hein? And the boss is just at the et door. Avec l'orgueil, tu fais un effort de pouvoir chercher quand même. And with your pride, you just want to pass by your boss. L'orgueil. Pride. Précède la chute. Goes before the fall. Il y a pas d'avis. And so, pourquoi est-ce qu'on m'a payé comme ça? And how come they pay me such a lot? I'm gonna go and see the boss. Knock on the door. And what's the matter? And I'm tired of your injustice. Enough is enough. People, you pay like this. And me, why? Why? Give explanation. Okay. Pride. You will be fired. And you lose your job. L'église ne prend pas soin des gens qui ne veulent pas respecter leur travail. And people does not care of people. Même si vous avez besoin de changer de pays. Even if you say amen, I will repeat. Les négligents. Négligents. Insolents. Is irrespectful. Moi, je pense que le chrétien est l'homme le plus poli de la terre. I believe the Christian is the polite man on the earth. The most polite man on the earth. Christian, et vous êtes l'homme le plus impoli au travail, le plus impoli à l'école. You are misrespecting people at work. Je pense que c'est un problème de l'éducation de base. I believe this is a basic education issue. Il y a pas la main. Alors frère, allez, il est 12h. On se devra aller. Allez, fais ça. And brother, it is 1 o'clock. Go to this. No, no, boss. Je suis en train de lire le prophète. I'm reading the prophet. Frère Branham. And Brother Branham says. Frère Branham. And Brother Branham. Mon Dieu. Qu'est-ce que ce prêtre-là a fait avec Frère Branham? What does he? Est-ce que vous pensez que tout le monde sur la terre va croire le message? Do you think everybody on the earth will believe the message? Frère Branham dit. Brother Branham says. Il y a des gens qui sont prédestinés à ne pas croire. There are people predestined not to believe. Même s'ils voient un miracle. Even if they see a miracle, ils croient. They won't believe. L'heure du travail. The hour of work. Pour toi, c'est l'heure de lire la brochure. For you, it's the time of reading the booklet. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. A man running away from the face of the Lord. Mais c'est toi qui fuis la parole. Because a lazy people is a useless man in the house of the Lord. Oui, la Bible l'appelle face de déshonneur. And the Bible call him a useless celui qui ne people. Ne dit rien. He does not contribute on anything into the advancement of the kingdom. So it's a useless. The working hours. And we're confused, and it's used as time to read. Et il a pris le volume
Il a mis sa femme, il dit tout le monde, je vais évangéliser tout le monde dans mon travail. And he says, I must, you know, evangelize everybody in my office. Ils doivent croire. They must believe. Depuis combien de temps tu es là-bas, qui a cru? So since you were there, how many people believe? Vous êtes en train de tirer les ennemis vous-même. You are raising enemies by yourself. C'est parce que vous ne respectez pas. Because you don't compete with the world. Il met dans son bureau avec le plaisir, le grand géant. And he take, you know, the tapes of Pastor Masengo and put it in DVDs. Monsieur, ça c'est l'église. And is it the church? C'est le monde, c'est le monde. Is it on va te virer le pasteur Masengo, on ne te soutiendra pas. You will be fired and Pastor Masengo will support you. Goes before the fall. Y a pas d'amen. Can you say amen? Vous êtes ménagère chez une sœur. You are a household to a sister's house. Vous avez les limites. You've got limitations. Tu es la ménagère de la sœur et non la ménagère du frère. You are the household to the sister and not the household to the brother. Okay. Okay. Patron, est-ce que tu peux me donner 1000 francs, je vais acheter le pacte. Patron, est-ce que tu peux me donner 1000 francs, je vais acheter le sel. So every time you're asking for money to buy for salt and things like that. Si c'est moi, je t'enlève le jour-là. And if it's me, I'm going to chase you. Même si tu es une sœur, je t'enlève. Even if you are a sister in Christ, I will chuck, I will fire you. Même si tu es I'm going to chase you out. Vous pensez quoi, le travail, il n'y a pas les gens qui cherchent de ménager, je vais. And what do you think? I'm going to find another job. Ah bon, tu es content. You are happy. Content, hein? Happy for people. I just need to have orgueil. Tell your neighbor, pride, proud. Et lorsque l'orgueil a grandi dans une personne, and when pride has arose in somebody, l'orgueil ne serait plus un esprit. It won't be a spirit. L'orgueil serait la personne lui-même. It becomes the being himself. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. That's why I tell you. Lorsque une jeune fille, when a younger girl, qui était copine à sa mère, who was a friend to her mother, devient arrogante, becomes arrogant, boudeuse, you know, irrespectful, opposante, opposing herself, elle a un copain quelque part, she has then a boyfriend somewhere, et elle a déjà mangé le fruit du sexe. And she might have already eaten the fruit of sex. La tête. And it disturbed her mind. Can you say amen? Regardez dans la Bible. See in the Bible. Numbers 16, verse 3. Number 16, verse 3. Au deuxième verset. Number Corée. 16. Korea. Avec Dathan. And Dayton. Avec les autres. With the others, les enfants de Lévi, les enfants de Ruben. With the children of the Levite and Ruben. Écoutez-moi bien. Listen carefully. Dis non, 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 non. They said no. Nous en avons assez d'être conduits par Moïse. They said it's enough for Moses to lead us. Tout le monde est saint. And they said everybody is holy. C'est pas seulement Moïse. And it's not only Moses. Par qui tu parles? From whom God will speak? God also speaks unto us. Tout le monde est saint. Everybody is holy. Frère Branham dit. And Brother Branham says. Ils ont détourné plus ou moins 250 personnes. And he said they make like 250 people collapse. Et ils ont formé ce qu'on appelle l'assemblée des rebelles. And they make what we call the assemblies of rebels. À cause de l'orgueil. Because of pride, of proudness. Même quand l'homme le plus loin est arrivé, even when the most anointed, il dit, toi, Corée, toi, Nathan, he said, you, Corée, Dayton, tu ne crains pas Dieu. You don't fear God. Demain sur la montagne. Let's go to the mountain. On verra ce que Dieu va faire. We'll see what God is going to do. Corée, c'est quoi? And Corée says, on va aller à la montagne. Ah non. We're going to go to the mountain. On verra. We'll see. Okay. And he said, wow. Parce qu'ils ont défié Dieu
par l'orgueil. They challenged God by pride. Tu les as tous détruits. And God killed them all. Et beaucoup de gens meurent à cause de l'orgueil. And many people are dying because of pride. Même là, vous savez quoi faire l'orgueil? And even if you want to make this pride, instead of being proud, parce qu'on veut montrer que moi aussi, je suis quelque chose. Because they want to show off me too, I'm something. C'est la raison pour laquelle. The reason why Dieu tarde les expériences avec les gens. God is holding his experience. Lorsque quelqu'un commence à recevoir une onction, when somebody receives an anointing, lorsque Dieu commence à utiliser quelqu'un, when God uses somebody, lorsque Dieu commence à manifester le surnaturel avec une personne, when God starts in the manifestation of somebody, la personne commence à penser qu'il dépasse même le pasteur. And that one thinks it's going up behind the pastor. This is pride and proudness. Quelqu'un qui t'a introduit dans le business. Somebody who introduced you in the ministry. Quelqu'un qui a fait marcher dans le surnaturel. It makes you walk into the supernatural. Peu importe comment Dieu l'utilise. It doesn't matter what God. Tu ne le dépasseras pas. You will never overlap him. Go. Je vais entendre votre main. When you say, tu ne peux pas le dépasser. You can't go over him. Dis bien jamais. I say never. Okay, je vais vous dire ça. I'm going to tell you. Si vous êtes frère, if you are vous êtes frère, a sister or brother, vous priez plus ou bien beaucoup. You pray more or much than a brother. Plus qu'une sœur. More than a sister. Ce n'est pas la preuve que tu es spirituel. It's not the proof that you are more spiritual. Je veux entendre votre appel. Can you say what? C'est juste un don. It is just gift de prier, of praying, que vous avez reçu, that you have received. Et ça ne fait pas propice que les autres. But it does not make you more spiritual. C'est pourquoi frère Branham dit, that's why Brother Branham says, parmi tous ceux qui étaient les disciples de Jésus, amongst the disciples of Jesus, il y a eu André qui avait ce don. Andrew was one with that gift. André avait le don de prier. Andrew has the gift of prayer. And Brother Branham says when you kneel down, he's going to stay 3 years with you. And you, during 45 minutes, is gone. And God can, exalt somebody which is praying. But it is in the Bible. The Bible says that all the prophets of Baal prayed. And the Bible says the prophets of Baal prayed for so long. Elijah told them, keep praying. Ils ont prié du matin. And they pray from jusqu'à 12 heures. Until 9. Lorsqu'on commence à partir de l'heure de 12 heures. And from noon time. Il a dit arrêtez. He said, stop it now. Il a rétabli l'hôtel. And he restored it. Je veux votre main. Then he said, amen. Il a dit, Dieu d'Israël. And he said, God of Israel. Dieu de Jacob. God of Jacob. Aujourd'hui. Today. Qu'on sache que tu es Dieu d'Israël. Let them know that you are God of Israel. Et tu crois que je suis ton serviteur. Vous avez un don de jeûner. You have a gift for fasting. Et on prie. And when we pray, c'est une grâce. It's a praise. Moi, Dieu m'a donné peut-être un don de révélation. I was given maybe a gift of revelation. Que vous n'avez pas. Which you don't have. Vous ne pouvez pas me minimiser. And you can't say je ne peux pas te minimiser. And I can't even look you down. Je dans le corps de Christ, il a eu le pas que Dieu l'a donné. Everybody would have the same gift. But everybody has something. La chose que vous avez. The thing which you have. Moi, j'ai quelque chose que vous n'avez pas. I have something which you don't have. Vous avez quelque chose que je n'ai pas. And you possess something I don't have. Tous les oiseaux ne chantent pas de la même manière. All the birds are not singing on the same way. Mais tous les oiseaux chantent. But all the birds sing. Même les petits cris de moineau. Even the little. Et t'as-tu du lever du soleil. Even if you know the
probably singing more. Which does not understand when he was singing. He couldn't have heard another bird singing. So when you start thinking, as God, how God use you? So you are above everybody. This is problems. This is true what I'm saying. I heard many people saying you are not consecrated. I hear people. You are not dedicated. But he didn't need to close his eyes. But what is true is each and every one of us should have. When you have a private connection with God, it improves the light around you. Votre niveau que vous atteindrez avec Dieu dépend de votre relation avec Dieu. God will depend on your revelation with God. Ça dépend de votre relation. It depends on your connection, your relationship. Moi, j'aime la consécration. I like consecration. J'aime la prière. I like prayers. J'aime cette vie-là. I like this kind of life. Y a pas de problème. Can you say amen? Moi, je me prive de certaines choses que toi, tu ne peux pas priver. Maybe I not afford to do things which you can't do. Peut-être toi, tu prives de la nourriture, mais moi, je prive autre chose plus que la nourriture. But maybe you don't eat, but me, I'm using something else. Je ne peux pas t'amener sur mon terrain, sinon tu vas tomber. I can't bring you on my field, otherwise you fall. Il n'y a pas d'amen? Can you say amen? Vous savez la capacité de vous priver de l'eau, alors Dieu merci. You have the ability to stop drinking, so thank God. Parce que Dieu a mis en toi la capacité de ne pas boire tout. Because God put this ability in you. Mais je ne peux pas me vanter de ça. But I can't do so. Parce que c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée. Because it's such a grace. Et je dois faire que cette grâce-là ne me quitte pas. And I must do my best for this grace not je to. Je dois demeurer dans cette grâce. To hold myself in this grace. And sometimes the younger brothers, and they can talk and as if I'm not listening. And they say, oh, we come from Franceville. And over there we were Franceville. And we call it in such a name. Every day consecration. It's good. I brought it. This thing I'm saying that we should wake up at 4 a.m. to pray. C'est parce que j'avais affaire à une église que j'aime. I established it that I had un peuple qui ne croit pas en Dieu, qui ne connaît rien de Dieu. I had a people, a new church. Il faut les poser cette règle pour les mettre sur la ligne. And you must set these rules for them to be on the line. Et Dieu merci que cela continue. Et gloire à Dieu. And praise God, this keeps going. C'est la vraie famille parce que nous vivons en France, ville, on peut être plus spirituel que les gens qui vivent à Libreville. It doesn't mean what we're living in France, we are more spiritual than those in Libreville. Forget about it. Il y a des gens ici à Libreville qui prient beaucoup. There are people in Libreville praying much. I can even quote some sisters, some brothers, they are living such life. And I told a sister one time, and I said, God bless you, sister. Thank you for fasting for me. And she said, oh, how do you know?
And I said, you think I'm not aware of it? And I said, thank you for fasting for me. And she said, how come? How do you know about it? Brother Branham says, God told him, what happened in your ministry is because of these people. They just pray much for you. And the Holy Ghost can talk. No God. And proud. Est un démon qui détruit beaucoup de gens. Is a demon destroying many people. Et lorsque l'orgueil vous attrape. And when you are held by pride, vous allez penser toujours que vous avez raison. You will always think that you are right. Même si tu as tort. Even when you are wrong. Tu crois toujours avoir raison. You will always believe you are right. C'est ça le travail de l'orgueil. This is the work of l'orgueil. Vous empêche de revenir sur la ligne de la parole. It even stops you coming back. Lorsque vous voyez les gens de problème, when you see people having trouble, et qu'ils n'arrivent pas à mettre un nom de pour parler pour son temps, and you know, settle the problem. Il n'y a pas d'autre problème. It means there's no other issue. C'est l'orgueil. It is a proud issue. Chacun d'eux se sent vraiment moins de l'amour. Each and every one of them feels so proud. Il faut l'aimer tout de lui. They make something around you. And make a wall around you. They can remain years and years in church. Tell you, pride will even stop you to repent for a sin which you made. I can say everything to the pastor despite this. I can't say so. No. Et vous allez voir qu'il va contaminer quelqu'un d'autre. And he will then, you know, share with somebody else. And you are being specialized on entertaining interviews. You don't let the pastor know everything. C'est un homme comme vous. It is a man like you. And everything is the pastor. And everything is the pastor. Une brebis ne peut pas vivre ayant un problème qui n'a jamais dit à son pasteur. And a sheep cannot live without having sharing his pastor. How can you then succeed? Ça devient un péché. It will become a sin. Ça devient quelque chose qui t'empêchera d'aller de l'avant avec Dieu. It will become something that will stop you going forward with God. Pourquoi chanter par vos amens? Can you say l'orgueil n'aime pas les reproches. Proud does not want reproaches. L'orgueil. N'aime pas les reproches. Does not want reproach. Écoutez-moi. Si on ne vous reproche pas dans la vie, if somebody is not schooling you, vous ne serez pas meilleur. In life, you want to become better. Et ferme l'écran, tu vois que tout le monde te tape autour, tout le monde te tape autour, tout le monde te tape autour. And the problem says, when you see everybody, you know, showing you up, en vous rendant un mauvais service. They are making you worse. Vous les garçons, vous les filles. You boys and daughters. Tout le temps un frère vous aide. Everybody a brother should help. Tout le temps une sœur vous aide. Every time a sister should help. Frère vous donne, tel frère te donne, tel frère te donne. Every time a brother should give you some money. Et vous pensez que c'est mieux. And you think this is good. Mais il est en train de vous rendre un mauvais service. But it's giving you is not helping you. You must be courageous to wake up and go and look for a job. You must seek being financially independent. Et vous aurez le courage. And you will be courageous. Utiliser l'argent que toi-même tu as souffert pour avoir ça. To use and spend the money for which you suffer from. Je parlais avec Timothy, la fille de la sœur Marie-Jean. And I was talking to Timothy, the sister Marie-Jean's daughter. And I told my son, you see how you are for your mother. And he said, I understand, Papa. You understand? And he said, I understand. And sometimes the little noise are important. And I believe you will report to her. And he says, today you are happy. But every time they give you food, they give you this and give you that, you want to improve yourself.
Et une personne qui est à côté de vous tous les jours sans vous permettre de faire quelque chose, il vous rend un mauvais service. And somebody who is helping you every day without pushing you to do something is not helping you. C'est pourquoi l'orgueil n'aime pas les reproches. That's why pride does not want to reproach. L'orgueil n'aime pas la soumission. Pride does not want submission. And Brother Branham says, un prédicateur, a preacher, est allé dans une assemblée pour prêcher. Went to a church to preach. Il a pris tout un tas de brochures, tout un tas de livres. And he took such a bunch of books. Il est descendu là rapidement. And he came down quickly. Il est monté la chaîne là. And he come to the pulpit. And he dropped them. Aujourd'hui, tu vas entendre les choses. This il a ouvert la Bible. In the Bible. Il n'arrive même pas à se situer dans les Écritures. He can't even find himself in the Scripture. Je sais que j'avais un tel déjà oublié. And the things I forget. Comment c'est Dieu qui n'a pas voulu que je vous prêche ça. And God maybe doesn't want to be to preach. Que le Seigneur vous bénisse. And may the Lord bless you. Comment je n'ai pas pu le faire en cette chose. Ça n'est pas normal. This is not normal, Lord. Went somewhere. He lays his hand and it walks. He was so happy. He came and testified to his church. And he says there was a preacher in the hall. And God healed a cripple. And I'm going to go there. And I'm going to bring you a book of testimony. Comment dans un pays comme ça, il y a beaucoup de paralytiques. Toi, tu l'as guéri quand même. Vous allez voir. Donnez l'argent parce que vous allez faire des choses. And he said, give the money and I will show you things. Il est allé dans la même ville. And he went into the same city. Quelqu'un qui est venu là. Un frère qui l'a accompagné. Photo quelqu'un. And he took the picture. Une autre qui est venu là. And he took another picture. 10. Frère, maintenant. And he said, brother, now. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. You will see what you never see. Oh, Dieu de William Branham, and the God of William. Jamais sans le jour. Il a pris la tête du pauvre paralytique. Au nom de Jésus. La personne n'est pas guérie, le pousse là. And he take his head and push his head. Après, il dit, non, non, le frère, c'est une contre-prière contre moi. C'est pas. And he said, oh, the brother pray against me. Lorsque vous avez Dieu, personne ne peut bloquer ta prière. Nobody can stop your prayers. Je vais t'entendre votre alléluia. Personne ne peut s'opposer à ta prière. No one can oppose himself to your prayers. Parce que vous avez Dieu. Because you've got God. Mais l'orgueil, but proud, vous savez à une chute. Will bring you straight to fall. Les gens n'aiment pas ça. And people don't want it. Il n'y a pas d'amen. Can you say amen? Frère. And brothers. Frère Branham dit. Brother Branham says. Je vous jure la fausse et la vraie vigne. Je vais terminer. In the false and the true. Paragraphe 26. In paragraph 26. La raison. La raison pour laquelle Lucifer. He says the reason. Avait perdu sa place au ciel. For which Lucifer lost his place. C'est l'orgueil. In heaven it was. Et sa beauté. And his beauty. Et le frère Branham dit. And Brother Branham says. Quand il a perdu ça. When he lost his place. Il est venu sur la terre. He came down to the earth. Il a donné sa nature à son fils Caïn. And he gives his nature to his son Cain. Un orgueilleux, c'est un arrogant. A proud person. Une personne qui pense que c'est suffisant. He feels self-sufficient. Il n'a pas d'aide. Il n'a plus besoin d'aide. He got no need of anybody. Caïn and Cain made his offering. God did not approve. Abel gave his offering and God approved. It's hard to start, you know, chopping in this. And this is not possible.
How could God, you know, fulfill us? God came down. And it came to like your brother. And I will. And he kills his brother. And God asked him, Cain, where is your brother Abel? Suis-je my gardien de mon frère? My, am I my brother's keeper? Sometimes the answers that you give to the people, it only comes through proud. Sometimes the way you treat a brother, which is weaker, is only proud. Même si quelqu'un est en erreur, if somebody fail, it depends on the way you will approach your brother. So he will be able to listen. If you approach him with proud, with such a lousy voice, even if what you say is as the word, the truth is placed, he won't be able to listen to you. And you will make him nervous. You must know exactly when to introduce your truth. And I believe that all the time you scold the brothers together. I believe it's not first the spirit. And Brother Burnham says, before doing it, you should pray. Because you have to fight with the spirit that lead the brother to behave wrongly. You must pray first. Legalism. And brothers. Nous sommes sur la terre. We are on the earth. On n'a pas encore fini la marche. The walk, the trip is not finished yet. Peut-être toi qui penses arriver. Because maybe you will think you are. Demain nous allons regretter ce que tu peux se tomber. Tomorrow we will regret. C'est pourquoi la chute d'un frère, la chute de sœur, ce n'est pas la joie. That's why the way of a brother. C'est un sujet de pleurs. The falling of a brother is not joy. Things have changed. Hatred is in people's hearts. On ne voit même pas les caractéristiques de l'amour. And we don't even see the way. Listen. Lorsque vous prenez les erreurs d'un frère, when you're taking a brother's mistake, or a sister's mistake, ou les exposer, and you then expose. You must question yourself, what is my intention of doing so? Are you willing to save him or you are willing to destroy him? Are you shaping up the life of the brother or destroying his life? So what kind of Christian you are? And today, it's on your sister. Je sais que la sœur est païenne. You rejoice that that sister is a pagan. Demain, c'est pour que c'est toi. Tomorrow, it could happen that it is you. Aussi longtemps que tu n'as pas encore terminé la course, as long as your trip is not finished, ne te réjouissez pas de ce que tu as fait. Don't rejoice of anybody's mistake. Demain, ça peut être ton tour. Tomorrow, it could be your turn. Jesus bendito.
propres yeux. Don't see yourself perfect to your own eyes. Ne le pensez pas. Don't think so. Comme le disait Pasteur Dioka. As Pasteur Dioka said, l'amour de Dieu, God's love, c'est de voir le mal, is to see evil, et de prier pour ton frère, and to pray for your brother. Si Dieu a permis que tu voies l'erreur de ton frère, if God allows you to see your brother's mistake, ce n'est pas pour que tu puisses tuer le frère, it's not for you to kill the brother, mais c'est pour que tu puisses prier, intercéder, it's for you to be interceding and praying constantly for your brother. You must be an angel of mercy pour délivrer ton frère de ce mal, for the deliverance of your brother from these evil things. Toujours condamné. Always condemnation. Condamné. Condemnation always. Condamné. Always. Condemnation. Et où est la grâce? So where is grace? Dieu Tout-Puissant. The Almighty God est descendu dans l'état chaotique où vous étiez. Descended in the chaos condition where you were. Pour te faire sortir de là. And to take you up from there. Et toi, tu ne peux pas descendre pour aider ton frère. And you were not able to go down and help your brother. Je pense que c'est un manque d'amour. I believe it is a miss of love. Il n'y a pas, il y a pas à dire le contraire. C'est un manque d'amour. There's no other word. You are lacking love. What? Is in trouble, ça doit être l'affaire de tous. It should be everybody's business. Amen. Ça doit être l'affaire de tous. It should be our business. Comment pouvez-vous être content qu'on perd un frère? How can you be happy for us to lose a brother? Oui, vous êtes content. Or a sister, you're then happy. Look at this. Si j'avais tenu ma position pour ce frère, if I hold my position to this brother, aujourd'hui, on ne peut pas le sauver. Today, it's unsaved. Et là, il est revenu à la parole. But now, it's back to the word. Je bénis Dieu pour mon épouse. And I praise God for my wife. Moi, je crois. And I believe la femme, that a woman, peut aussi aider son mari. Could also help his brother. His je pense que l'homme aussi a une obligation d'écouter sa femme. And I believe men should also be listening. Et là, je ne veux pas dire que la femme te domine. It does not mean your wife will. La dictature est basée sur la loi. But dictatorship is based on law. You can believe une femme comme Sephora, that a woman like Sephora peut sauver un grand prophète comme vous. Save such a big prophet like a great prophet. Il y a pas d'âme. Can you say? William Branham said he tell a lie. Et il sort. And he went. Sa femme a quitté là-bas où il est. And his wife came. And she come and support her husband. And she was waiting for her husband. And as soon as Brennan came, she said, and she said, darling, what's wrong? She said, yes. You tell a lie over the phone. But I wasn't there. And she said, you were there when the phone was ringing. Because the man has always right. It is a crime. It is crime. On prend les habitudes du grand-père, on prend les habitudes de papa. We take habits of grandfather or father. We take habits of grandfather or father. As long as you come home, c'est toi qui formes les hypocrites, les acteurs. You
You are making yourself hypocrites. Vous êtes en train de former les pharisiens. You are making Pharisees at home. C'est l'orgueil. It's proud. Oh, dites alléluia. C'est l'orgueil. Vous savez discuter avec votre femme. You must know how to talk with your wife. Je ne mange plus votre nourriture. I don't eat your food. 2 jours, 3 jours. 2 days. 3 days, we don't eat. Et le soir, tu apportes ton pain sec que tu fais avec du sucre dans l'eau. Tu te demandes pour montrer que notre Dieu est un païen. You bring your bread and you know, drink with. Qu'est-ce que la culture a fait? What does food make you wrong? And the pastor is not there and me not coming to church. And me, it's only the gift and anointing. Oh, is it? Oh, really? Non, vous voulez me dire que quand le pasteur part, Dieu n'est plus dans cette église. You want to say that when the pastor is not around, God is not more in the church? No, sir. Me, it's in the highest, man. Vous êtes rétrograde. You are backward. Moi, je pense que c'est une manière. I believe it's a way de justifier votre état de rétrogradation. Justifying your backward condition. Je n'entends pas les amens là. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ah oui, parce que moi, c'est l'icolo. Yeah, because me, it's you know, highest. C'est l'orgueil. It's just pride. Et vous ne m'aimez pas. And you don't love me at all. Parce que si vous m'aimez, because if you love me, vous ne pouvez pas souhaiter la destruction de l'église. You should not be wishing the church to be destroyed. Voilà les fanatiques religieux. The whole is you know, religious fanatics. Votre place n'est pas sur mon ministère. Your position is not on the ministry. Et je veux dire que vous me combattez. And I believe you are fighting against me. Say amen. You say no. And if it's not the pastor, I won't say amen. You must grow up. Can you say amen? You must grow up. C'est du légalisme. This is legalism. Pagan. A pagan. Tu ne crois rien, toi. You don't believe in anything. Frère Branham dit, si Dieu est dans ton cœur. The Branham says, if God dwells in your heart. Mon cœur doit être dans l'empressement pour qu'on puisse ouvrir les portes de l'église. Your heart must be rushing for the church of God. Lorsque William Branham la bouche autorisée. When the authorized mouth. Partez dans les bois. William Branham. Les brebis qui restent à la maison. Where do the sheep stay? Changer le caractère. You must change your behavior. Je vous vois là pleinement dans l'église parce que vous savez le fil. Because you know the pastor will come. So the king is preparing his way to heaven. Et toi? And you. Parce que quand je partais, tu vas m'attraper si moi je monte. Oh, tu me fais le jeu. You think when I'm home, you will hold me on my feet? On va se séparer avec vous. You will be split out. If you don't leave, you will be split out. Seigneur, merci le pasteur à l'arrivée. Là, je peux dormir sans prier. Je dis, non, non, non. Brother says, oh, thank you, God, because the pastor is coming. And il faut prier. Before praying, you must pray. Il faut prier.
ta maison, moi j'ai mes attaques dans ma maison. So we've got different trials. Do you think we've got the same trials? Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? C'est l'orgueil. It is proud. Et les compagnons de l'orgueil. And you know the attributes of proud. L'égoïsme. It's selfishness. L'indifférence. Indifference. Le vantardise. You know, showing off yourself. Le complexe de supériorité. Being showing up. Et le mépris. And being disrespectful. Ah, madame, va, and you are not on my level. Tu connais mes études, frère. And you know my level. Lorsqu'il est habillé en super sang, ou bien il est arrivé en super what, regardez la manière dont il va s'habiller, mes frères. Shalom, mon frère. And when he want to greet the brothers, he just, you know. Shalom. And he says shalom. Shalom. And mais pas rien, mais ça, on n'est pas d'accord. And just come over there, listen. N'entrez pas le coutume dans la parole. Don't bring, you know, rights in the word. On ne se salue pas là-bas. We don't, you know. Salue-moi. It is here. Il n'y a pas la main. And you see how il a perdu le super sang. He doesn't want, you know, people to kiss each other. Tell your neighbor, proud. Il faut qu'on dise trois grandes choses qui accompagnent la vie d'un croyant. And Brother Burnham said three things moved with the life of et qui le détruisent. And which would destroy him. Un, la convoitise des jouets. First things, the desires of la convoitise du cœur. The desires of your heart. Et l'orgueil de la vie. And the life selfishness, life pride. Ce sont les trois choses qui détruisent la vie. Three things destroying your life. Et beaucoup de gens de la Bible. And many people in the Bible. Ont raté l'élévation. They miss being lifted up. À cause de l'orgueil. Because of pride. Regardez Naaman. Let's see Naaman the malade. He was de la lèpre. Of leprosy. And Brother Branham said, Dieu connaissant l'orgueil qui était dans Naaman. God knowing the pride in Naaman. Il faut le ramasser à quelque chose que lui ne peut pas descendre. He must bow him down from something he should not go. Le prophète a dit, allez va te laver 7 fois sur le Jourdain. And the prophet said, go and you know wash in the Jordan 7 times. 7 times. L'eau sale comme ça. Such a. Vous voulez nous dire quoi? Chez nous là-bas. Nasty water. Y a pas de l'eau propre. Y a pas de l'eau propre. There's no clean water than this. 7 fois moi. 7 times. Général. You know. Devant la parole de Dieu, enlever le galop. Before the world. That's why any children and daughters of God, when the word of God was quenché, then you know, hold you, lose your right. Give the right to the word of God. And brothers, avant sa mariée. Before getting married, il faut faire des préparatifs. You must prepare yourself. Dis amen. Say amen. Ne faut pas aller te marier par orgueil. Don't get married by pride. Avant mon mariage. Oh my wedding. Yes, il faut que Mike la maille de chanter. Il faut que lui faut connaisseur. I must have and I must have. Okay. All right. Payer le billet à l'Ifoco. And let's buy the ticket to this l'Ifoco. Louer les instruments. You must rent for the instrumentation. J'entends pas les amens. Prochainement les instruments de musique, les instruments de musique de l'église ne partiront plus dans les fêtes. And the devices we have will not go to the place. Otherwise, we're going to lose what we have. C'est toi qui te maries, tu t'arranges. You get married, so you must manage yourself. Voilà, je n'ai plus des amis maintenant. And I don't have friends. Tu dois préparer l'argent de la dot. Dis ta main. You must prepare for it.
préparer l'argent de la salle du temps. For the rooms and for all things. Tu dois préparer l'argent de la cuisine. Ce n'est pas les mamans de la cuisine qui doivent vous continuer l'argent pour vous manger du temps. Prepare for the money for food and not the mommies to prepare that for you. C'est votre mariage. It is your wedding. Et tu dois préparer l'argent de la tente. You must get prepared, everything prepared. And if the brothers can help you, that is fine. It's not you to request for something. And you know, when the notice is not meaning that we should give. A notice is just a wedding information. And it's not compulsory for you to give me a notice and I will give you something. Dites amen. Amen. Yes, amen. Je suis un frère. Je vais la palisser. Je termine dans 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît. Vous savez, le frère qui perd, il est venu à son fils pour se marier. Il a rien, il n'a même pas sa femme. So the brother left the town and he went to Franceville to get. Parce que les vases lui ont dit ainsi, dit le Seigneur, vous prenez les chaussées jaunes, vous allez à l'église, vous passez mon seul à Franceville, vous vous mettez à genoux, vous priez, 15 heures, les chaussées seront remplies d'argent. Because the priest told him, take the plastic bags and you go and see the pastor, it will be filled with money. Le frère est venu se marier par la foi. And the brother came and get married by faith. And we saw a group of gifts with. And what is this plastic bags for? Yeah, they say, oh, Father came down. And it remains 2 hours. Until 4:30, people were waiting for us. And the brother came and said, and they say, God gave a recommendation for the plastic bag to be filled. Un frère a sorti 700 000. Maman s'est sorti 200 000. Le gars a sorti 100 000. Frère, prends l'argent, 1 million que t'as vu te marier. Vous savez d'autres choses. Hein? On ne fait pas les aventures. We don't make adventures. À cause des recommandations. Because of, you know, instructions. And when the pastor is not around, people want to go to churches because they need the prophecies and the recommendations. You are making harm to yourself. I tell you the truth. I'm holding myself to the word. I tell you what is true. The gifts are fully here. But we will put them in action. But I want all the gifts to be aligned with the scripture. I want to keep the good testimony which will change you. They are making troubles in his church. Because he believes in those recommendations. And his own he came with his brother from Kinshasa and called him to his pastor assistant. He said, thus says the Lord, Dieu m'a dit de vous dire, God told me, vous devez rester un mois sans parler. You must be 1 month without speaking. Vous ne dites rien à quelqu'un si vous ne faites pas mourir, ni à ta femme, ni à l'église, ni à qui que ce soit. Vous ne parlez pas pendant un mois, ainsi dit le Seigneur. And during 1 month, don't talk to anybody, thus says pastor the Lord. Aussi, Jean-Baptiste. And he became John the Baptist. And now the younger brother took the church. Tout ce qu'il a voulu faire, parce que le pasteur, même s'il fait des autres, parce qu'il a pu pas parler, s'il parle lui-même. And he does all the things he wanted to do. And my friends, it's not a jealousy problem. I'm trying to get your attention. The discernment of spirit will bring you to understand. Je
And after 1 month, disorder was installed in church. And if he talks, he will die. And after 1 month, closing his mouth, he has already made the houses and so on. And the church is gone. That's why here, that I'm a dead or alive. And I want die. Watch over the word. All the things you will do in your life. Question yourself what the word says. I want to do this. What does the word say? And I have one case which I want to quote here. Une sœur, a sister, est venue voir le pasteur. To come and je vais aller en congé, j'ai en vacances. Says a pastor, je dis à la sœur, je vous réponds demain. On holiday, and I said, comme demain c'est samedi, je vais vous répondre demain ou dimanche. As tomorrow is Saturday, I will answer on Saturday. Je garde le silence. And just hold quiet. Je garde le calme. La sœur est venue voir le pasteur. Dieu a mis la main dans ton cœur, dans mon cœur, vous dites qu'il ne voyage pas. And I told her, God put in my heart. Non, c'est pas possible. You want to go? Je ne peux pas laisser ici. Elle commence à me chercher des problèmes. Je dis, c'est calme, tu ne voyages pas. And I says, she wanted to find troubles. And I said, you want to go? Son beau-père, son beau-frère. And she went and take her brother's note. Pasteur, on sait quoi? And the brother came and says, c'est ton enfant, c'est ton enfant. Is it your daughter? Comment tu peux avoir la main dessus? Tout le monde comme ça, sur le. How can you master the charge of she must go on the and I take this responsibility. And I said, okay, thank you, let's go. And she went. And she you know, had sex with somebody and she just fought with somebody. I fasted and pray, and until today, nothing works. This is the result, and because she couldn't listen after the pastor. If she listened after the pastor, it won't happen. Sometimes God speaks to you. I'm praying the Lord to give you a teaching. It means on the advices of a father. Je ne peux pas chercher à vous faire du mal. Si vous voyez, if I do something, it's for your good. Vous devez être content, mes amis. You must be happy, friends. Un homme qui va abandonner ses enfants. A man who will leave his children. A woman who's gonna vous s'occuper de vous. To take care of you. Alors que les enfants sont ailleurs. And our children are away from here. Comment vous pouvez m'en faire la peine de quelqu'un pour vous? And how come we won't have laws? If you listen to me, si that's good. C'est votre problème. If you listen, but don't let pride make you taking wrong decisions up in your life. Avant de poser une action, before doing anything, qu'est-ce la parole dit? What is the leadership of the word? Avant de réagir sur le problème, before qu'est-ce taking any decision, la parole de Dieu a dit what dans is the leadership of the word in this age? La parole de Dieu ne vous conduira jamais dans l'erreur. And the word of God will never lead you in mistakes. Je crois que vous avez compris qu'est-ce qu'on appelle l'orgueil. I believe you understand. Avec tous les exemples que j'ai donnés, je crois que vous pouvez comprendre. With all the examples that I took, et finalement, dit que vous devez tuer ces choses. But the Bible says you must kill this. Ask God to grant his grace. For this door of pride to be destroyed. Sometimes you react by anger. And when you see consequences happening, you can't then master or solve. It is an issue of salvation. I've got nothing to win being against you, and I can't do so. To kill your pride. Many lose the job because of pride. Many misses big celebrations because of pride. And you may pay attention, brother. Be careful when the Lord bless you.
Please be stand up and we're going to say something to the Lord. Merci Jésus. Vous remarquez que l'orgueil est représenté en vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton serviteur.
Bénis de davantage, Seigneur Jésus, pour notre prière, Seigneur, et que ta puissante mère, Seigneur, veille toujours sur lui. Veille sur Maman Séraphine et veille sur les enfants. Et veille aussi sur cette église, le peuple que tu as mis sous son ministère. Seigneur, merci. Tu as promis, nous allons réussir en toutes choses. Laisse que ton peuple puisse réussir. Nous allons, Seigneur, rentrer à la maison. Tu as béni notre départ et notre arrivée. Bénis aussi notre retour et notre arrivée. Et que les anges de Dieu qui campent autour des saints puissent camper autour de le Seigneur. Aucun esprit ne puisse nous vaincre. Même la nuit, pendant que nous allons dormir, laisse que le Dieu tout-puissant puisse nous garder. Jésus, garde-nous dans les occasions de l'emprunter. Les pays que nous allons emprunter, Seigneur Jésus, les gens, ceux qui marcheront parmi les chez eux, soient leur protection. Bénis richement les dignes offrandes. Que nous rentrons en paix et que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.